Bonjour à tous et à tous, c'est Angekyo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Fat Red Ultimate Team. C'est une création d'hybride juste énorme les gars, je vous préviens déjà. Donc voilà, j'ai décidé un peu de changer de composition dans mes créations d'hybride. Ça va plus être du 4-3-2-1 pendant un bon bout de temps. Pendant un bon bout de temps, j'ai décidé complètement de changer de compo. Le 4-3-2-1 maintenant je l'utilise quasiment que pour la série mais c'est pour retrouver le haut niveau. Et donc ouais, donc là pour l'instant je vais jouer en 3-5-2 et je pense que mes prochaines hybrides vont être en 4-3-2-1. C'est d'ailleurs pour ça que Lionel Messi a la compo 4-2-3-1, excusez-moi. 4-2-3-1 je voulais dire, et pas 4-3-2-1 justement. Donc voilà, il a la compo 4-2-3-1, tout simplement parce que je l'ai mis dans une autre équipe qui a 4-2-3-1, qui est en 4-2-3-1, du coup c'est pour ça qu'il a pas, il aura pas 9 de collectif. Mais sachez que c'est la même chose pour Sergio Ramos dans cette équipe, que je vais vous montrer après, mais... En temps normal, s'ils ont la bonne compo, ils ont bien sûr tous 9 de collectif. Donc on va commencer par le gardien. Le gardien, écoutez les gars, Petr Cech. Voilà, il me fallait un gardien de Barclays. Bon, voilà, j'avais envie de mettre Petr Cech. Voilà, je pense que c'est du classique. Vachement bon. Pourquoi prendre autre chose? Alors, défenseur central, le premier défenseur central qui joue un peu plus sur la droite, c'est Sergio Ramos. Bon, bah, Sergio Ramos, comme je vous dis, il n'a pas la bonne compo, mais Sergio Ramos, c'est juste énorme. 117 000 crédits, certes. Je pense que maintenant, vous pouvez un peu l'avoir pour moins cher. D'ailleurs, je vous conseille de revendre tous vos gros joueurs. Parce qu'avec la Team of the Season, et ben, tous les joueurs vont baisser. Donc voilà, il est vachement bon. Impassable, carrément impassable, je peux vous le dire. Alors, le milieu central qui est à côté de lui, c'est David Luiz. Alors, David Luiz, il me fallait un joueur de Chelsea. Donc, c'est pour ça que j'ai mis David Luiz. Et franchement, j'avais pas trop pris l'habitude de jouer avec, mais c'est vrai qu'il est juste énorme. Il est juste énorme. À côté de Sergio Ramos et de Kaboul, écoutez, c'est une défense qui est juste impassable. Hyper rapide, c'est ce qu'il faut pour jouer à 3 défenseurs. Ça passe vraiment très bien. Le premier milieu défensif que j'ai choisi, c'est Ramirez. Alors Ramirez, c'est simple. En milieu défensif, je crois qu'il n'y a pas meilleur. Il est partout sur le terrain, c'est un monstre. Celui qui est à ses côtés, c'est Xabi Alonso. Xabi Alonso, c'est totalement un autre registre. Beaucoup moins rapide, mais une énorme qualité de passe. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. À sa droite, nous avons... Jesus Navas, l'un de mes joueurs préférés sur FUT. Ouais, il est juste énorme. En milieu gauche, nous avons qui? Eh ben, nous avons Bale. Bale, voilà. Il me fallait une équipe avec des gros joueurs. J'avais envie vraiment de marquer l'esprit. Et voilà, Bale. Bon, bah écoutez, Bale, il est bon. Mais milieu gauche, je pense qu'on peut l'utiliser dans un autre poste. Notamment AVG. AVG ou AG. Plus AVG qui joue encore plus près du buteur. Et il serait top. Là, MG, bon, il a une bonne capacité. On peut voir ses stats de défense. 74, vu que son poste de base, c'est défenseur gauche. Donc, il est bon, mais bon, voilà. Il y a meilleur quand même. En MOC, j'ai choisi, alors, peut-être une grande surprise, mais pour moi, ça paraissait assez évident. Xavi. Voilà, j'ai choisi Xavi. Tout simplement, pourquoi? Bah, c'est sa stat de passe. C'est 93 de passe. C'est un peu, vous savez, quand vous avez le lance-roquette, et ben lui c'est le lanceur. Voilà. Et il va envoyer les roquettes qui sont Messi et mon autre buteur que je vais vous montrer. Donc, ouais, il est juste énorme. Donc, pour l'instant, bon, c'est une équipe qui est assez chère. Et alors, l'autre buteur, c'est un buteur. Donc, pour ceux qui avaient l'habitude de me voir dès le départ, je l'adorais. Auparavant, il s'appelait Falcao 88 et aujourd'hui c'est Falcao 89. Et bon, franchement, il est vachement bon. 5 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles gestes techniques, quasiment 80 de vitesse, 91 de tête, 85 de tir. Bon, écoutez, vous tirez, il y a quasiment but. C'est énorme. Donc, comme d'habitude, je vais vous dire, vous pouvez remplacer Messi par Benzema, par n'importe quel buteur. De Liga. Donc, vous pouvez mettre Higuain, n'importe quel buteur. Et tout ira très bien. Donc voilà, on va passer à un petit match, écoutez, hein, belle équipe. Bon, voilà. Falcao, le petit défaut de cette équipe, c'est que Falcao, il n'est pas très rapide. Mais à part ça, franchement, c'est une très très bonne équipe. Alors, on va jouer, qu'est-ce qu'on va jouer? Bah écoutez, il y a une nouvelle coupe. Printemps classique, on va essayer de la jouer, on va jouer le 8ème de finale.
Alors, c'est une coupe, on est samedi, écoutez les gars, on est samedi, je vais vous proposer la vidéo vendredi, normalement si tout va bien. Alors, je l'enregistre si tôt, tout simplement parce que, écoutez les gars, c'est une Barclay, non, j'ai pas envie de jouer contre une Barclay, j'en ai marre. Alors ouais, l'épisode, je l'enregistre maintenant, tout simplement parce que j'ai une épreuve d'histoire des arts pour ceux qui sont en troisième, moi je suis en troisième personnellement, et j'ai une épreuve d'histoire des arts et ça tombe bientôt avec le brevet blanc, tout ça, alors du coup je révise. Alors du coup je me dis, je vais prendre de l'avance, et puis c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo avant. Belle équipe, franchement on va revenir un peu au gameplay, très très belle équipe. Ouais, vachement belle équipe. En sachant que mon 3-5-2 là je vais totalement le revendre, je vais garder Sergio Ramos, Messi, mais je vais totalement le revendre tout simplement parce que... J'ai l'impression, je vais pas parler du rééquilibrage, tout ça, mais j'ai vraiment l'impression, je galère vraiment à gagner les matchs, c'est ça, je galère. Mais bon, c'est pas grave. Allez hop, c'est parti. Allez, si tu pouvais passer, ce serait vraiment gentil. Donc les prochaines hybrides que je vais faire, ça va être plutôt des hybrides pas chers. Pas chers, vraiment low cost. Des petites hybrides, écoutez, énorme. J'en ai créé une, les gars, 20 000 crédits. Je vous avais déjà parlé dans l'épisode de Messi veut retrouver le niveau. Et 20 000 crédits, et ça fait vraiment, vraiment, vraiment bien l'affaire. Alors là, il faudra m'expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que cette équipe est lente. Quand je cours avec les joueurs, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont une charrée. Une grosse charrée, c'est abusé quand même. C'est qu'avec cette équipe que j'ai l'impression là. Alors, s'il y en a qui savent dans les commentaires pourquoi, je serais bien content de le savoir. Ils ont une charrée aux fesses, mais c'est abusé. J'ai l'impression qu'ils courent pas. Ils courent, mais ils courent pas vite. Allez, là on va se retourner. Non, compagnie est un monstre. Allez, on va essayer de faire un bon match. Montrer toutes les bonnes qualités de cette équipe. Hein, parce que c'est quand même une grosse équipe. Attention, on va pas laisser tirer. David Silva, faut pas le laisser tirer du gauche. Ni du droit d'ailleurs. Il y a faute. Voilà, ça m'énerve. Penalty, il est en dehors de la surface, les gars. On est d'accord. Eh ben écoutez, le match il commence bien. Je sens que je vais pas gagner ce match. Et voilà, en plein milieu, inarrêtable. Eh merde, non mais sans déconner, il n'y a jamais pénalty. Déjà, la faute, ça m'énerve quand il y a des fautes comme ça, parce que toi, tu joues, tu fais pas exprès de faire les fautes. Tu peux pas éviter de faire la faute là. Et ben ouais. Et ben c'est dommage. Allez, c'est parti. On va essayer de revenir quand même, hein, parce que on n'est pas là pour pleurer. Et pour. Allez, Falcao de la tête. Non, Falcao de la tête, pourtant c'est du solide. Allez, Falcao, un peu son physique. Falcao qui a une énorme stat de force, hein, ça faut le préciser. Il est énorme. Allez, physiquement il est juste énorme. Allez, Messi va déborder. Il va centrer pour la tête de Falcao. Et la barre, écoutez, on est malchanceux. Quand je vous dis qu'en ce moment FIFA il est pas avec moi, les gars. Ah là là, c'est abusé, non. Allez, mais on va revenir. Moi je vous dis qu'on va revenir, les gars. Il y a eu de la chance d'avoir un pénalty. Et nous, on va la procurer la chance. On va la procurer. Ah non, oui. Ah Lionel, non, il est hors, je sais. C'est bien vu. Regardez-moi ça, la passe de Jesús Navas. Il l'avait magnifiquement bien vu. C'est juste dommage. Dommage qu'il soit hors jeu. On aurait pu espérer mieux de cette action. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déborder. Et on va centrer pour la tête de Falcao et le poteau. Ah, heureusement je marque, là j'aurais pété un câble les gars, j'aurais littéralement pété un câble. Mais c'est bien joué, Xavi qui est là, bien placé. Il aurait pu manquer qu'il la loupe, alors là... Non mais bon, Falcao, regardez, il a un bon jeu de tête, il est bien positionné à chaque centre, on peut le voir déjà. Bon malheureusement il a déjà tiré deux fois sur les montants, mais c'est pas grave. Xavi était là, alors que là j'ai complètement loupé ma passe. Allez, on va revenir dans ce match les gars, c'était un petit accident le pénalty qu'il y a eu. J'espère juste que j'ai pas pris de carton rouge, non je crois pas. Enfin du coup, du moins ça le méritait pas, hein. Du coup j'espère ne pas en avoir pris. Allez c'est parti, on va essayer de revenir. Ou du moins pas de revenir mais de gagner parce que moi je veux pas de match nul. Allez Kaboul il passe pas. Bon normalement la défense est du solide hein, les gars. C'est du solide, niveau relance, y a pas de quoi s'affoler, c'est vraiment très bon. Sergio Ramos pour Xabi Alonso, c'est... Voilà. L'équipe là, franchement je vous la conseille fortement. Ouais, il est hors jeu, Falcao, j'ai préféré jouer sur Bale. Ramirez, oh il va, oh c'est bien joué. Ah c'est bien joué, oh la tête de Falcao, oh il l'avait encore prise. La tête, oh les gars ça jouait bien. Ah ça a bien joué au football, on a réussi à créer le décalage sur le côté. C'est dommage, on aurait pu mériter mieux. Ouais, le sort n'est pas avec nous les gars, non mais c'était bien joué, franchement c'était bien joué.
Un bon centre de Rezus. Allez, c'est parti. Rezus Navas, il va courir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, allez, Messi de la tête. C'est pas Falcao, mais c'est quand même Messi. Ouh, bien joué, bien joué, bien joué. Allez. Au bout de 24 minutes de jeu, les gars, on est bien dans le match. On n'a pas eu le chance de prendre le but. Hein, faut dire ce qui est, mais c'est pas grave. On est bien dedans. Allez, David Luiz, il passe pas. Au pire, tu joues du. Ouais, voilà. Il va jouer du côté de Sergio Ramos, mais Sergio Ramos, il est impassable, quoi. Oh, c'est un dieu, ce mec. Allez. Franchement, ouais, n'hésitez vraiment pas à faire beaucoup de passes. Beaucoup de passes. Non, fallait la mettre sur Rezus. Mais c'est pas grave. Ouais, franchement, si vous faites cette équipe, les gars, n'hésitez pas à faire beaucoup de passes. Beaucoup de passes. Faites beaucoup de passes, les gars, vous aurez la faille. Vous allez trouver la faille. Au bout d'un moment, vous allez créer un petit décalage et ça va passer. Franchement, ça va passer. Je peux vous le dire, hein, franchement, à force de faire des passes, comme vous l'avez vu lors de la dernière action, on va trouver une faille et on va se procurer une occasion. Voilà, bien vu. On attend, on n'est pas pressé pour récupérer la balle, mais on la récupère bien. Et maintenant, on se projette vite vers l'avant. Enfin, vite vers l'avant. Allez, Xavi Alonso. Voilà, les gars, il y a des espaces, il y a des espaces. Falcao, Falcao. Pour Jesus Navas, ça passe. Ça passe. Il va trouver Xavi peut-être de la tête. Ah, dommage, dommage. Donc ouais, franchement, cette compo, on va plutôt chercher à faire des centres pour Falcao de la tête. Même s'il n'est pas mauvais. Mais s'il n'est pas mauvais. Hein. Mais s'il n'est pas mauvais. Et là, c'est pour. Allez, la tête. Ah, Falcao, il est. Oh, non, c'était Ramirez. Ramirez, belle tête plongeante. Et son gardien, il est encore présent. Son gardien, il est encore présent. Allez. Allez, faut pas qu'on le perde ce match. Oh, il est bien passé. Ah, il est bien passé. Allez, bien vu, Sech. C'est bien joué. Oui, il avait fait un petit geste technique, c'était bien joué. Regardez-moi ça. Ouh là là. Son gardien a fait déjà 6 arrêts. Ouais, 6 arrêts. Donc quelques-uns miraculeux, on peut dire ce qui est. Allez, touche là, magnifique. Falcao. Falcao. Bon, Falcao, on va pas lui demander de faire un sprint et de partir au but comme ça, non. Vaut mieux pas parce qu'on peut être déçu du résultat. Mais non, faut plutôt lui demander de jouer en remise. Et dès qu'il sera en position de frappe, ne vous inquiétez pas, il la mettra dedans. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, à ses côtés, on peut mettre très bien Benzema. Hein. Benzema qui est bon dans le jeu, qui est bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ouais, ça peut être vraiment sympa. Alors, je pense que la prochaine équipe que je vais vous proposer, ça sera avec une équipe avec Tarap te boost. En AT, dans une belle compo. Et ouais, dans une compo 4-2-3-1. Avec Tarap te boost, et franchement, les gars, je pense que ça peut faire vraiment mal cette équipe. Je vous en parle pas plus. Hein, mais franchement, ça va être. Ah, regardez-moi ça. On a l'impression que Messi, là, il a voulu accélérer. Il avait vraiment une charrée au cul. La preuve, c'est que. Alors, attention, je me concentre juste 2 secondes. Bien vu, ça, bien vu. Non, non. Ah, oh, c'est dommage. Ouais. Mauvaise relance de Ramirez. Allez, 7, on va se relancer tranquillement. Allez, Lionel Messi, allez pour toi. Allez, allez Sergio Ramos. Non, ça c'est bon pour Sergio. Oh non, non, oui, Sergio. Encore, c'est pas fini. Allez, pas de faute inutile. Pas de deuxième pénalty. Allez, là, faut qu'on trouve la meilleure solution. Faut qu'on trouve la meilleure solution. La meilleure solution, on écarte sur Xavi. Xavi, il est passé rapide. On va revenir dans l'axe. Et c'est la mi-temps, c'est dommage. Mais ouais, franchement, on n'a pas vu la mi-temps passer. Enfin, de mon côté, j'ai pas vu la mi-temps passer. Très belle mi-temps. Bon, mes joueurs, c'est vrai qu'il avait peut-être plus la possession de balle. Moi j'ai eu des opportunités, beaucoup d'opportunités, faut dire ce qui est, un penalty où il n'y avait pas penalty, c'est dommage, mais on est bien, franchement on est bien. Moi ça a la tête sur le poteau, ouais mais c'est bien joué, on reprend. Allez, s'il pouvait appuyer, ouais, j'ai quand même pas mal, j'ai eu beaucoup d'occasions franches. Hein. Il a été un peu sauvé, ouais, je sais pas comment il a fait, mais il a des gens avec lui, je sais pas. Il a la chance avec lui, mais bon. Nous, on va se procurer la chance, les gars, je vous le dis. Allez, allez, si tu pouvais passer, ça serait vraiment cool. Allez, mon pote. Allez. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais les gens comme ça m'énerve un peu. Allez, là. Come on. Allez, 2-1, j'espère que l'engagement, il est pas à lui. Parce que, ah non, c'est moi, il est à moi. On va jouer direct. Allez, Rezus. Rezus a débordé tout de suite. Non, c'est cliché. On va pas prendre de risque. Bien joué l'une 2. Bien joué l'une 2. Ah, dommage. C'est dommage. C'est dommage. Oh oui, il a récupéré la balle. Il a récupéré la balle. Il va centrer pour Lionel Messi. Non, non, non. J'ai été gourmand. J'ai été gourmand.
Je vais peut-être dû y aller tout seul. Ah, je me suis complètement jeté sur lui. Et mince, ah, c'est mal joué de ma part. C'est mal joué de ma part. Ah là, j'avais mieux à faire. J'avais mieux à faire sur ces deux occasions. Enfin, sur cette occasion où. Enfin, ouais. Ah, c'est dommage. Allez, Rezus, il passe pas. Clichy, il passe pas. Je t'autorise pas à ce qu'il passe. Clichy qui est vraiment bon dans le jeu. Qui est vraiment bon. Alors, attention, attention. Ouais, bien vu, Sech. Bien vu, Sech. Ah, c'est vraiment dommage. J'avais vraiment une belle opportunité. Ah, ouais, ouais. Allez, allez, Sergio Ramos. On va trouver Falcao. On va trouver Falcao. Falcao qui va trouver Bale. Et là, ça va aller vite. Là, ça va aller vite. Là, ça va aller vite. Allez, Falcao. Ah, je voulais pas la mettre là où. Je voulais changer de côté. Je voulais changer de côté. C'est dommage. Oh, allez. Ah, là, 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 là. Allez, c'est pas fini. On va revenir. On va gagner. Enfin, on perd pas, mais. Au pire, les gars, on ira en prolongation. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bien joué, bien joué. Encore une fois. Ah, dommage, j'avais fait la passe lobée. Il m'a coupé dans mon élan. Ah, c'est dommage. Il faut appuyer les passes, les gars. Faut appuyer les passes. Allez, on va le couper, Nani. Il va faire une petite fin de frappe. Non, même pas. Ah, on se précipite un peu dans la relance. Les gars, on se précipite un peu dans la relance. C'est dommage. Et là, ça peut aller vite. Là, ça peut aller vite. Ah, la passe de Lionel. Oh. Allez, les gars, faut qu'on s'applique. Faut qu'on s'applique. Allez, Bale, il passe pas. Ah là 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 là, c'est. Allez, les gars, on peut le faire. Ah, c'est dommage. On a eu de belles occasions. Je sens qu'on va s'en mordre les doigts. Allez, 6 mètres, c'est parti. On va essayer de trouver la tête de Falcao. Allez, Falcao, elle est pour toi. Bien joué. Et on rejoue tout de suite sur Falcao. Falcao, il est lancé. Falcao est lancé. Et... Ah, Falcao, allez! Bouge-le un peu, le Kaboul. Ah, c'est dommage. Il m'a fait une frappe, écoutez, de 35 mètres, flottante. Ça a lobé le gardien. Écoutez, les gars, je sais pas comment j'ai fait. Bien évidemment, j'enregistrais pas à ce moment-là. Il y a eu un rush kit, alors du coup, j'ai pas pu vous le montrer. Ah, Messi part pas sans la balle. J'ai pas pu vous l'enregistrer, franchement, j'étais dégoûté. Énorme but, énorme but. Ah non, c'était. Ouais, je sais plus comment c'était passé, mais j'ai eu un bug, j'ai pas pu vous l'enregistrer. Alors, on va essayer de retenter une petite frappe de loin avec Falcao pour vous montrer un peu sa puissance de frappe. Allez, il passe pas, Bale. Il passe pas. Allez. Bien joué, ça. Allez, on va essayer de jouer pour une fois un peu tout seul. Il me bloque. Et il n'y a pas faute. Par contre, dès qu'on le touche à en dehors de la surface, il y a pénalty. Alors, ça m'énerve. Ah, bien joué de sa part. Bien joué de sa part. Allez, et les gars, j'arrive pas à vous proposer quelque chose de bien en deuxième mi-temps. C'est regrettable. On avait très bien commencé la deuxième mi-temps, mais là, ouais, c'est un peu dommage. Bon, bon, on est solide derrière et on n'a pas grand-chose à craindre. Allez, Lionel. Allez, Lionel, il est passé. Il est passé. Ah, mais regardez-moi ça. T'as Lionel Messi, tu dois le bouffer, Walker, normalement. Et une, deux. Ah, putain, si je changeais de côté, ils étaient beaucoup de côté. Allez, allez, Xavi. Qui va trouver Lionel? Qui a trouvé Lionel? Ah, putain, il passe. Et regardez-moi ça, 93 de passe, il est pas foutu de me la foutre dans les pieds. Attention, Bale. Bale, ah, j'avais déjà appuyé sur le bouton là. Non, je me suis jeté, c'est mauvais ça. Allez. Allez, Rezus, il va trouver Lionel. Il va trouver Lionel, allez. Ah, putain, c'est pas possible. Allez, les gars, mettez là. Ah oui. Même si. Ronaldo chope. Oh putain, j'avais tiré, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. D'un poil de cul, à chaque fois il arrive à avoir la balle. Miraculeusement, comme je vous dis. Il va revenir sur son gauche, non? Si. Oh non, purée. Et alors là, il passe, il fait une micro-roulette entre deux joueurs, là. Regarde-moi ça. Allez. Ah, c'est pas possible. Ah, j'ai pas de chance. Bon, peut-être que, d'accord, je fais pas de très bon match, mais je mérite au moins de gagner avec toutes les occasions que j'ai eues. Ah, c'est pas possible. Quand je vous dis que FIFA, en ce moment, ça m'énerve. J'espère que vous me comprenez. Allez, Bale. Bale, il est passé. Bale, magnifique. Magnifique. Falcao. Mais Falcao, qu'est-ce que tu fais? Et on va trouver Messi. On va trouver Messi. Il tire tout de suite. Eh non, toujours contré. Et non, on la reprend. Là, on la frappe. Oh, on l'a rékiffé. Comment il fait ça? Comment il arrive à la sortir? C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh non, les gars. Oh non. Je veux pas perdre les matchs, là.
En ce moment, je vous propose que des grosses équipes. Et j'arrive pas à gagner le match. J'arrive pas à gagner le match, les gars. Et moi, je suis pas le genre de youtubeur à quand je perds de match, je le mets pas sur YouTube. Non, non. C'est pas ça pour moi, c'est pas ça. Je perds le match, je vous mets quand même sur YouTube. Allez. Allez. Allez, Rezus. 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 La tête de Falcao. Oh là là, non. Enfin, Falcao, il m'habitue à mieux, les gars. Il m'habitue à mieux. Allez. On va jouer une 2. Bail. Mais c'est bien joué, ça. C'est bien joué. Il va centrer. Ah, là, elle est contrée, les gars, corner. Eh, les gars, tous dans la boîte. Xavi. Xavi. Le ciseau. Oh, elle est au-dessus. 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 Ah, il s'était bien penché. Il s'était bien penché, mais pas assez. Eh, les gars. Allez, on peut pas perdre. On peut pas perdre. On y croit. On y croit. Ah non, les petites pas. Ah là 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 là. Eh ouais. Eh non, pas 3, hein, ce serait vraiment dégueulasse. Reviens sur ton gauche. Non, tu me l'as fait une fois pas deux, mon gars. Tu me l'as fait une fois pas deux, ta vieille feinte là. Allez, allez, Xabi. On va trouver Lionel. On va trouver Lionel. Il est passé. Il est passé. Il a mis, il est passé, les gars. On l'a vu là, le Falcao. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu avec moi. Vous l'avez vu avec moi là. Vous l'avez vu avec moi. La tête. Non, mais c'est pas possible. Oh, son gardien, il sort le match de sa vie, le Hart. Hein. Oh non, l'occasion à la 90e minute. Oh non, c'est pas possible. Eh les gars, on en aura encore une. On en aura encore une. Eh, c'est pas possible autrement. Allez. Allez. Oh non, là, 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 la chance qu'il a. Oh non, c'est pas possible. Non, non, non. Ah, tant pis, les gars. Ah, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. Déjà, le penalty au bout de 3 minutes de jeu, là, c'est vraiment dégueulasse. Oh, le poteau, heureusement. Merci, merci. Merci, merci. Allez, laisse-moi jouer l'occasion, là. Laisse-moi jouer. Laisse-moi jouer. Je pars. Non, j'étais 5 contre 3. Oh non, non, non. Oh, les gars, j'ai. Voilà, voilà. J'ai pas eu de chance. Bon, bah écoutez, je crois que vous avez l'habitude en ce moment avec mes vidéos. J'ai vraiment pas de chance. C'est d'ailleurs pour ça que je vais revendre cette équipe. Parce que je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que là, qu'il fasse un petit rééquilibrage. Je pense pas. Même si c'est vrai que. On va voir quand même les stats parce que c'est quand même assez impressionnant. Détail du match, les gars. 11 tirs, 8 cadrés quand même. 8 cadrés, j'ai réussi à mettre qu'un but. Et c'était un but pas très beau, quoi. Ouais, bon, bah écoutez, les gars. C'est dommage, c'est dommage. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et j'espère que je vous aurai fait vivre un beau moment de suspense. Eh ouais, mais c'est vrai que je suis malchanceux. Écoutez, les gars, ça me dégoûte un peu. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Sur ce, c'était un J-Killer. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un peu de victoire, les gars. Pour un peu de victoire. Allez, ciao tout le monde.